Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je commence mon projet. Alors, comme j'avais expliqué hier dans le dévoilement, alors j'avais une tablette pour mettre tous mes papiers. Alors, j'avais mes papiers design, j'avais mes papiers de base pour toutes mes pages, mon couvert, tout ça. Les papiers de couleurs variées, unis pour les espaces photos, etc. dans mon projet. Et puis, aussi, alors j'avais ces trois qui étaient tout mêlés. Et puis, dans mon cas ici, pour le projet, je vais faire quatre espaces parce que le quatrième, pour mettre, parfois on veut mettre de côté des papiers qui sont réservés pour les couverts parce que je dis souvent, mettez vos papiers de côté. Souvent, je coupe des cartes qui sont dans les collections. Alors, j'aime bien les avoir séparément. Sinon, je suis toujours en train de chercher partout. Alors, c'est vraiment l'enfer. Ça fait plusieurs mois que je pense le faire. Alors, j'ai décidé de le faire, pas juste pour moi, mais aussi au cas où ça vous intéresserait aussi de le faire. Alors, je vais te donner les mesures. Alors, premièrement, pour ce qui est de la hauteur, alors, je suis allée avec 10 pouces ou 25,5 cm. Alors, 10 pouces, même si mes papiers, surtout les papiers de collection 12 pouces par 12 pouces ou 30 par 30 cm, 30,5 par 30,5, même si c'est plus haut, ça ne dérange pas que ça dépasse. Là. On ne veut pas avoir un bloc incroyable, là. Alors, j'ai pensé que ça serait une hauteur raisonnable. On pourrait même aller un peu plus bas si on voulait. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors j'ai calculé 5 cm ou 2 pouces par espace. Donc, j'ai besoin de... Je vais mettre un petit peu ici, je l'ai calculé. Est-ce qu'il est en dessous ici? Alors, j'ai 4 cm finalement, excusez. 4 cm par espace. En pouces, ça donne... Alors, j'ai 1 pouce et 5 huitièmes environ. Ouais. Environ 1 pouce et 5 huitièmes chacun. Total, moi j'ai 6 pouces et quart. Et puis en centimètres, j'ai 16 pouces. 16 cm. Alors ça, c'est la largeur. La hauteur du morceau du fond va être, ce que j'ai dit, 10 pouces ou 25,5 cm. La profondeur ici, ben, de toute façon, mes papiers ne sont jamais moins que 21,6 de large. Alors, je fais 21,6. À moins de travailler avec des 15-15, mais là, bon, c'est pas là qui serait le problème pour le rangement. Alors, j'ai ces deux morceaux-là. OK? Ensuite, alors là, on va devoir travailler avec les morceaux toujours de cette hauteur-là, qui se trouve à être 10 pouces ou 25,5 cm. Alors, je fais une marque ici. Je vais en couper. J'en ai besoin de 4. Alors, j'ai 4 espaces. J'en ai besoin de 5. Pour faire la fin finalement. Donc là, ça prend un peu beaucoup de papier, de cartonnette, mais bon, c'est ça. C'est un investissement qu'on fait. Il sera pas. Même si c'est un peu coûteux pour les cartonnettes, ça vaut vraiment la peine. Alors, si j'en ai une autre, alors si j'en ai deux, mais bon, vous en faites 5 parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 4 espaces plus un côté. Okay. Alors, faites ça. Ensuite, pour ce qui est de la largeur, on a besoin du 21,6 au complet. Alors, on a 10 par 21,6, ou, c'est-à-dire, on a 25,5 par 21,6, ou 10 pouces par 8 pouces et demi. Moi, je voudrais me faire une diagonale ici. Alors, je pourrais la faire complètement d'une pointe à l'autre, pour avoir deux morceaux, si vous voulez économiser. Mais j'ai peur que les morceaux, les papiers se penchent vers l'autre côté. Alors, ça prend vraiment un support, je dirais, au moins la moitié de la cartonnette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une ligne. Je vais calculer ici. Alors, je pourrais aller à 7 cm, ce qui se trouve à être 2 pouces 3 quarts. Même chose ici. 7 cm, 2 pouces 3 quarts. Je me fais une marque ici. Puis, je vais couper le morceau d'une marque à l'autre. Comme ceci. J'ai un petit peu de chute, mais bon, ça peut être utile éventuellement. Alors, je vais en faire un autre, mais je vais en faire 5 comme ça. Okay? Alors, vous allez faire ici la marque, puis ici la marque, puis vous en coupez toutes les cartonnettes. Ici, à ici, comme ceci. Alors, faites ça 5 fois. Ensuite,
Alors là, j'ai fait juste les deux. Il me restera les trois du centre. Alors ensuite, on doit bâtir tout ça. Alors là, vous allez choisir une couleur de papier cartonné que vous aimez, que vous voulez. Moi, j'ai choisi ce papier ici. Je trouve bien joli. Et puis, j'ai choisi ça comme fond. Parce qu'il y a le même gris au fond ici. Alors là, je vais me faire des bandes. Je vais prendre un papier, c'est-à-dire une lame qui coupe bien le papier. Alors là, je vais me faire des bandes d'environ 1 pouce ou 2,5 cm, comme ceci, pour couvrir les arêtes, attacher tout ça ensemble. Je vais en faire plusieurs parce qu'on en a besoin de plusieurs pour faire tout le tour, les arêtes extérieures, les arêtes intérieures. Vous allez en avoir besoin d'une bonne quantité. Alors peut-être plus qu'une douzaine, je dirais. Alors, tu en tailler 12, puis quitte à en tailler d'autres plus tard. Alors ici, moi, je vais en avoir 8, puis il va me rester un petit morceau. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure dans tout ça. Alors, c'est comme une boîte, mais c'est une boîte pour vous. Puis d'ailleurs, vous pouvez vous en servir comme boîte. Si vous ne faites pas les espaces au centre, vous pouvez avoir une boîte pour mettre des albums. D'ailleurs, c'était un projet que je voulais faire. Est-ce que c'est suffisamment long? C'est un projet que je voulais faire éventuellement. Des petits livres dans une boîte, avec cette boîte-là. Mais finalement, je l'avais fait dernièrement, vous l'avez vu, parce que je voulais refaire la boîte d'Alice en plus petit format. Alors, c'est de cette façon que finalement, j'ai abouti à faire... les trois petits livres dans une boîte avec un couvercle en diagonale, etc. Un peu complexe, mais bon, quand on veut avoir quelque chose de spécial, c'est ça qu'on fait. Alors, je continue à faire mes lignes de pliure à peu près au centre. C'est pas nécessaire de calculer vraiment. Alors, si j'ai fait des bandes d'un pouce, je vais un demi-pouce. C'est 2,5 cm. Ça va aller à 0,25 à peu près. Alors, on va commencer par construire la base, puis ensuite... Je vais vous revenir dans une autre vidéo pour les séparateurs, on va les appeler séparateurs. Alors là, je vais plier tous mes papiers. Alors moi, j'ai du papier cartonné 65 livres ou 176 grammes, c'est suffisant. On coupe ça comme ça. On les plie, c'est-à-dire comme ça. Alors là, on va assembler nos morceaux. Alors là, je vais commencer par faire les deux morceaux du fond. Le morceau du fond, c'est lui et lui. Alors le plus haut, le plus long finalement, plus haut, est en haut, est l'arrière. Lui, c'est le fond. Okay? Alors, je vais commencer par coller. Colle. Alors, on va placer comme ceci. Je vais couper tout juste la longueur dont j'ai besoin, comme ceci. Je vais mettre la colle à l'intérieur. Alors, on va commencer par faire l'extérieur. Alors, quand on fait l'extérieur, quand on a plié nos bandes, on se trouve à mettre la colle à l'intérieur du pli. Alors, je vais en mettre un ici, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir mettre la colle sur l'autre. Puis, je vais le mettre debout ici, comme ceci. Puis, je vais le coller. Voilà. Alors là, j'ai mon premier joint de fait. Alors là, je vais m'empresser à placer un des deux autres morceaux pour aider à tenir tout ça, comme ceci. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est de le mettre comme ceci pour que ça s'ouvre. Alors, je vais mettre le morceau du fond en premier. Alors, encore ici, je vais calculer la largeur dont j'ai besoin. Alors là, ici, j'ai mon morceau du fond. Alors, je vais mettre ma colle au fond. Jusqu'au bord,
ici. Puis on met la colle ici. Puis là, on va mettre notre morceau qui va en bas ici. Alors moi, je vais mettre sur la cartonnette. Puis je vais plier comme ceci. Alors j'ai appuyé mon morceau, je vais vous le montrer, sur la cartonnette. OK? Ça arrive vis-à-vis l'autre. Ceci, tout juste. Voilà. Ensuite, on va poser celui-ci. Même chose. Puis on a pleine longueur à peu près. On coupera l'excédent. Alors là, je vais mettre ça comme ceci pour que ça se tienne. Oh, excusez. Alors, je mets la colle à l'intérieur ici. J'ai mis partout, mais ça ne sera pas nécessaire parce que mon morceau n'est pas si long que ça. Alors, je vais le croiser ici. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter mes pointes parce que je ne veux pas qu'on voit le morceau quand je vais mettre mon papier design. Alors, il faut se rendre jusqu'au coin. Il faut vraiment, vraiment bien cacher le coin ici. Et aussi, je vais le biseauter. Alors, on appuie. Comme ceci. Bien au fond. Sur la cartonnette. Je vais prendre ça avec ça ici. C'est plus facile. Mieux précis. Ça va mieux coller. Est-ce que j'ai mis la colle de ce côté-là? Ah, j'ai pas mis de colle. Alors là, voilà. Alors une fois que j'ai biseauté ici, là, je peux mettre ma colle. Comme ceci. Avec mon plioir, c'est un petit peu plus efficace. Ici. Voilà. Je vais couper l'excédent ici. Je vais me garder un bout ici. Au cas où j'en ai besoin pour faire mon coin. Ça se peut que j'utilise ça ici pour faire mon coin. Alors, j'en laisse environ 1 cm ou 3/8, 1/2 pouce environ. Puis ensuite, je vais faire la même chose pour l'autre morceau qui est ici, comme ceci. Alors, vous le collez, faites la même chose. Puis ensuite, je vous reviens avec les séparateurs ici, parce que là, je dois faire des choses. C'est trop long pour rien pour vous de regarder. Alors, je vais terminer ça. Je vous reviens partie B tout de suite. Et puis, les séparateurs, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les couvrir de papier tout de suite parce que ça va être difficile d'aller à l'intérieur pour presser à cause de l'espace qui est limité. Alors, je vais tout finir les trois morceaux ici. Et puis, je vais vous montrer comment procéder. C'est important de poser nos bandes qui vont attacher et le fond et l'arrière avant de mater nos séparateurs. Alors, je fais ça. Je vous reviens pour les séparateurs. À tantôt. À tout de suite. Merci.